Et salut tous, c'est Neuronios et on se retrouve pour une petite vidéo sur Vemba. Alors, c'est un peu... Il y a une petite histoire derrière cette vidéo. Enfin, une petite histoire, une petite origine, quoi. Alors, Vemba, déjà, c'est un jeu qui n'est pas encore sorti, donc ceci est une démo. Et c'est un jeu qui a été présenté lors du Wholesome Direct. Donc je me suis dit, tiens, le jeu a l'air sympa. Autant le tester. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Et c'est parti. Alors, de ce que j'ai compris, c'est un jeu de cuisine. Je pense que c'est un peu évident vu l'écran de chargement. Mais on va voir. Ça avait l'air franchement sympa. Donc, on va voir ce que ça donne. Et je crois que c'est du taille. Alors, pensez bien avant de d'oser. Et réfléchissez bien à vos actes. Que j'ai pu. Ouais, c'est à peu près ça. Tu t'en vas déjà? Ah, désolé, je t'ai réveillé. Quelle heure est-il? 8 heures. Comment tu te sens? Fatiguée ou nauséeuse. On va mettre fatiguée. Juste comme hier. Ah. Ok, j'appellerai ton école et je dirai que tu ne peux pas venir aujourd'hui. Je m'apprêtais à partir pour travailler. Tu devrais retourner te coucher. Et ton déjeuner? Il y a... De la pâte, alors il y a des restes de pâte idli, je sais pas si c'est un mot anglais, mais je pense pas, et du chutney à l'ail d'hier. Tu peux faire cuire à la vapeur quelques idli rapidement. Ah, idli, je sais pas du tout ce que c'est. Je vous mettrai une petite image, je pense. Je ne sais pas si je peux faire ça tout seul. Ça ira, je m'apprêtais à partir. C'est juste de l'idli, c'est très facile. Ça me prendra trop de temps, Vemba. Ne t'inquiète pas. Je peux juste survivre avec la machine à café. C'est pas une très bonne idée, ça. Faut manger. Allez, on va le faire. Très bien, je vais le faire. Attends 5 minutes. Vemba, vraiment, ça va. Non, non, non. Je dois faire... Mon déjeuner moi pour moi aussi, de toute façon. Dis juste à l'école que... oui, je préviens juste l'école, j'aurai fini dans une minute. Ok. J'aime bien le style graphique, c'est... On dirait que ça a été fait avec des points de couleur. Enfin, beaucoup de points qu'on a mis ensemble. Au lieu plutôt que de faire des traits. Wow, j'ai l'air dans le gaz. Ok, faisons ça rapidement. Bien que... Est-ce que je devrais essayer la recette de ma mère pour une fois? La manière dont je fais les idlis ne sont jamais aussi moelleux que les siens. Et il me réconforte toujours quand je me sens malade. Je devrais juste les faire à sa manière aujourd'hui. Si la recette est toujours lisible. Ah oui. La musique à fond. Ok. Alors. Idli, plate, towel, cooker, water, batter. Oh là là. Je n'ai jamais fait de l'idli avec ce genre de plat avant. La seule différence du mien, c'est qu'on dirait qu'il y a des trous dans les plats. La recette demande aussi une serviette, mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Amas, je sais pas si c'est un nom,
mais à mesure que cette méthode rend les indices beaucoup plus moelleux. D'accord, alors attendez. Mec, surtout, je sais pas. Là, je crois lire towel, donc serviette, ou saphira. Donc, arrange plate, so steam can cook butter properly. Ok. Non. Ok. Donc, j'imagine qu'il faut faire. Hein? Ah! Faut mettre d'abord la pâte, d'accord. Attendez, ça c'est la pâte? Illibateur, ok. Hein? Alors attendez, ou comme ça peut-être plutôt. Ouais, ça a l'air d'être mieux. Ok. Alors attendez. Water et batter. Ah, faut, oui, faut mettre de l'eau vu que c'est cuit à la vapeur. Ok, donc là, tac. Et là normalement, tac. Ok. Ok. Ah, et donc je peux faire un deuxième plat. Hop. Comment je tourne ces trucs? Voilà. Et là, normalement... Attendez. Ah! Non mais... Non! Attendez, comment j'en enlève un? Parce que là, du coup, ils sont les uns sur les autres. Donc c'est pas ouf. Bon, déjà, hop. Tac. Hop, hop. Tac, tac. Mais vous voyez, ils disent d'arranger les plats d'une certaine manière. J'ai pas l'air d'un con. Alors attendez, on va faire. On va recommencer. Hop, on met l'eau. On met la pâte. On met ça là. On tourne comme ça. Voilà. Ensuite, non, on met pas de la pâte, on met une serviette. On met la pâte. On met là. Là, ça n'a pas l'air trop mal. Ensuite, on retourne comme ça. On fait ça. On fait ça. Et on met au-dessus. Et là, ça n'a pas l'air trop mal. Et donc là, je pense qu'on va juste allumer le truc. Hein. Ah oui, c'est pas une mauvaise idée. Donc on ferme. Il suffit juste de fermer comme ça. On va y voir. Ça devrait être ça devrait être assez. Ok. Enlevons le putain, le lid, c'est le truc qu'on met au-dessus là. Et voyons comment ça c'est fait quoi. Ah, c'est fini. Alors voyons voir. Est-ce que j'ai réussi? Lid, c'est couvercle, voilà. Voilà, j'ai vraiment le gaz. Mais ça a l'air intéressant comme recette. Ah, t'as même pris le temps de faire nos visages. Je pense que tu as oublié ma barbe. En revanche. Écoute, tu vas pas me faire chier là. Tu n'avais vraiment pas à faire ça, tu sais. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Mon mari ne peut pas le faire soi-même. Ne peut pas. En gros. Branleur, voilà. Vemba, je t'ai dit d'aller dormir. Tu t'es senti malade et épuisé. Tu n'avais pas à cuisiner. Ce n'est pas très grave si je saute un repas pour une fois. Pas à Valan. Tu me fais choisir entre me reposer et te laisser mourir de faim. Ce n'est pas un choix juste. Selon moi. Tu ne me laisses pas mourir de faim. Je sais, mais c'est comme ça que je le ressens. Et même si je t'avais laissé partir...
Je n'aurais pas pu dormir tranquille, ou bien qu'est-ce que j'aurais fait pour le déjeuner? Ou qu'est-ce que j'aurais fait pour le déjeuner? J'aurais de toute façon eu à cuisiner, même si je suis épuisé et malade. Tu l'aurais juste pas vu. Je n'ai pas de machine à café ici pour survivre non plus. Est-ce si difficile pour toi de cuisiner même dans les journées comme ça? Tu as raison, je suis désolé. Est-ce que tu as cherché pour des tickets à la maison? Oui, ça coûte cher. Ah, pour retourner à la maison, je crois. Oui, ça coûte cher, mais je pense qu'on peut le faire. Donc tu penses qu'on devrait y aller? Je ne sais pas. Laisse-moi demander mon boss une nouvelle fois s'il peut me mettre en temps plein. Mais à moins que l'école me donne plus de, enfin me donne plus de travail, ou que mon patron change d'avis, ça va être compliqué de rester au Canada. Ah, donc en fait ils sont tous les deux professeurs, je crois. Parce que je me suis dit à la base, si elle va à l'école, c'est parce qu'elle est jeune et donc bah, elle va apprendre. Mais il semble que vu que c'est son mari et que lui, il a l'air de... Bah, il travaille à l'école, bah, ils doivent être tous les deux de professeurs, je pense. Tu sais qu'il y a d'autres options, mais... Ça ne me dérangeait pas de rentrer. Je suis sûr que je peux être professeur à nouveau à mon ancien travail. Et il n'y a rien qui nous retienne vraiment ici non plus. Ça serait sympa. Ok, donc pourquoi tu ne pars pas avec moi maintenant? Je t'emmènerai voir le docteur avant d'aller au travail. Oh non, je suis sûr que tout ce dont j'ai besoin, c'est de dormir un peu. Ça fait 2 jours que tu dis ça maintenant. Allez, viens, je t'y emmène. Les docteurs sont gratuits ici. Eh oui, pas comme en Amérique. Bref. Memba, tu es rentré? Qu'est-ce qu'a dit le docteur? Donc, mon chef ne l'a même pas pris en compte. Il n'y a même pas pensé, quoi. À moins qu'un miracle advienne, je pense que nous devrions faire nos valises. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne m'as jamais dit ce que le docteur t'avait dit? Eh bien, je pense que tu devrais manger d'abord. Oh non, je sais ce qui se passe. Enfin, oh non. Vu son sourire, le docteur, tout ça, bon. Elle serait-il pas enceinte? Ok. Idlis? Encore de l'idlis? Ah! Qu'est-ce qui se passe avec toi aujourd'hui? Ça j'en étais sûr. Donc j'imagine que ça veut dire qu'on a une raison de rester. Je veux dire, élever un enfant à la maison ne serait pas si mal non plus. Mais il aurait une bien meilleure chance à la vie ici. Enfin, dans la vie plutôt. Ça va juste être de plus en plus cher, en revanche. Et on survit à peine actuellement. Oula, j'ai du mal à traduire aujourd'hui, moi. Fatigué.
on ne peut pas fournir tout ce qu'on peut, des parents normaux pourraient. Bon, et s'il ne nous aimait pas quand il grandirait, enfin il grandira. J'imagine qu'il parle de l'enfant. Peut-être que retourner en Inde est la meilleure option après tout. Mais après, il pourrait ne pas nous aimer pour leur avoir enlevé cette opportunité. Il a Edward déjà. Qu'est-ce que tu penses, Vemba? Pourquoi tu ne dis rien? Ah non, Edward. Je ne sais pas. C'est marrant de te voir t'inquiéter comme ça. Tu n'es pas inquiète? Je ne sais pas. Je me sens calme pour une certaine raison. Tu es bien la seule. Pas à Valan, ne t'inquiète pas. Je suis sûr que tout se passera bien. Comment tu peux être si sûr? C'est notre enfant. Comment d'autre veux-tu qu'il soit? Et c'était la fin de la démo. Alors, très sympa. Un peu courte la démo. J'avoue que je m'attendais à un peu plus de contenu. Mais l'histoire est sympa. Je sais que l'histoire est sympa et le truc de la cuisine c'était sympa aussi. C'est un peu relax, un peu cool. Et ça me fait me demander ce que ça veut dire Idlis et ce que ça veut dire Pavalan. Donc, non, c'est ok, c'était sympa. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si le jeu vous a plu, n'hésitez pas à le mettre dans votre wishlist. C'est pas une vidéo sponsorisée du tout. Hein. J'ai pas eu de clé gratuite ni rien. Bah, la preuve, c'est la version démo. mais c'est juste que bah, je pense que c'est une bonne idée d'encourager les petits jeux indés comme ça. Surtout que là, pour le coup, c'est plutôt original. Y a un truc qui me tue en fait, c'est que j'ai regardé le Summer Game Fest. J'ai regardé ensuite le Wholesome Direct. Et il y a plus de trucs dans le Wholesome Direct qui m'ont intéressé que dans le Summer Game Fest. Donc je me suis dit, ouais, les jeux indés en ce moment ils carrient un peu. Enfin, on a de très bons AAA aussi. Bah, y a Zelda Tears of the Kingdom qui est sorti récemment, c'était il y a un mois. Enfin, peut-être deux au moment où cette vidéo sortira. Il y a eu Hogwarts Legacy qui est sorti aussi, qui était. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Enfin, bref, on a eu pas mal de bons jeux. Mais en même temps, les petits jeux indés comme ça fait plaisir, c'est original. Ça change du train-train habituel et moi je trouve ça vraiment cool. Voilà! Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle. Allez, salut!